Eh bien, cher frère, cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Vous vous rappelez, mes chers amis, l'évangile dimanche dernier, où Jésus a dit « Je suis le pain vivant, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » C'est ça la parole rude. Qui peut l'entendre ? Il donne sa chair à manger. Il est devenu fou. Ça veut dire cela. Jésus dit bien, donne une dernière explication à tout ce qu'il a enseigné avant. La chair n'est capable de rien, c'est l'esprit qui fait vivre. Mes paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Cependant, rien n'y fait. Les miracles n'ont pas suffi. Et le mystère a été le point d'achoppement qui fait que beaucoup, Saint Jean dit, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Au point que Jésus se tourne vers les 12, quand on pense qu'il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui ont assisté au miracle des 5 pains et 2 poissons, on est passé à 12. Bon, il y avait quelques-uns autour de 12, bien sûr. Mais c'est pour vous dire la dégringolade. On ne peut pas dire que Jésus est expert en communication, manifestement. Certains auraient pu dire, mais Seigneur, arrête de dire des paroles offensantes. Tu vois bien que ce peuple ne comprend pas. Arrête. Au contraire, il martèle. Et il pose même la question aux 12. Vous aussi, vous allez faire comme les autres, partir? Et c'est là qu'on a la parole admirable de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons, nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, Jésus a beau donner tout, il a beau livrer son corps de chair en nourriture, il a beau livrer son sang, le verser pour la multitude, cela ne suffit pas pour être sauvé. Encore faut-il accueillir, encore faut-il croire. La foi est nécessaire. Et j'en reviens ainsi à la seconde lecture que nous avons entendue, l'épître aux Éphésiens, qui, je pense, ferait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, à notre époque, notamment chez les féministes. Quand on voit ce que dit saint Paul, on ne peut pas dire que c'est très encourageant. Ce n'est pas dans le sens, du moins, de ce que les médias, la doxa du moment dit. Mais il faut bien comprendre ce que veut dire saint Paul et remettre les choses dans le bon ordre et non pas à mettre un texte et le sortir de son contexte pour lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Là, saint Paul dit bien, l'union entre l'homme et la femme est du même registre que l'union entre le Christ et l'Église. Mais j'irai plus loin. Notre âme, mes chers amis, en tant que membre de l'Église, en tant que membre de l'épouse, de l'époux du Christ, qui est le Christ, nous sommes invités comme une union sponsale, homme-femme, entre le Christ et chacun d'entre nous, afin que Jésus puisse demeurer en nous et qu'il puisse ainsi établir sa demeure et que nous puissions demeurer en lui. L'Épître aux Éphésiens montre bien, le Christ est la tête de son épouse, l'Église, certes, mais l'époux ne peut rien sans l'épouse. L'époux a beau donner sa vie à son épouse, si l'épouse ne reçoit pas la vie de son époux, cela ne produira aucun fruit. Et pourtant, dans la première lecture, nous avons entendu, dans le livre de Josué, le peuple, avant d'entrer dans la Palestine, cette terre promise, après la mort de Moïse, nous servirons le Seigneur, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux, disent les Hébreux. Et que ne feront-ils pas après? Ils ne cesseront d'être un peuple à nuque raide, un peuple idolâtre, qui ne cessera de vivre l'adultère dans leur relation avec Dieu. Combien de prophètes
à commencer par le grand prophète Élie, qui pourfendra les prêtres du Baal, ces idoles que les Hébreux seront amenés à adorer. Lui-même sera persécuté par la reine Jézabel, cette femme impie qui en voudra à la vie d'Élie parce qu'il défend le culte au Dieu unique pour lequel les Hébreux se sont prononcés. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux, disent les Hébreux. Vous voyez, mes chers amis, tout cela pour dire, pour nous rappeler que l'évangile de ce jour où Jésus est confronté à l'insouciance de ce peuple qui a vu des pains multipliés, qui a vu des miracles s'accomplir, mais qui a un cœur tellement dur, indocile, qui n'a pas la foi, qui ne croit pas que ce Jésus est la personne divine du Fils. Ils ne veulent que des choses extraordinaires et ils veulent juger par eux-mêmes ce qui est bien de ce qui est mal. On en arrive à cette situation. Ils désertent, ils partent. Même au dernier instant de la vie du Christ, le dimanche des rameaux, la foule est encore là. Elle revient, elle acclame le roi d'Israël en faisant un chemin de tapis, de manteau, pour que le petit ânon puisse porter Jésus jusqu'à la porte où il rentre dans cette grande ville, dans cette grande cité de Jérusalem, comme pour prendre possession de son trône. Et voilà que cette foule, 5 jours plus tard, 6 jours plus tard, va se rebeller, va se montrer hostile en disant « crucifie-le, crucifie-le ». Vous voyez, mes chers amis, si la foi ne pénètre pas tous les pores de notre peau, si elle n'entre pas en profondeur dans notre esprit, dans notre âme, nous risquons d'être ballottés au gré des doctrines du moment et nous risquons ainsi d'être infidèles à notre foi, à la foi de notre baptême. Voilà pourquoi Jésus nous bouscule. Voilà pourquoi Jésus insiste particulièrement sur ce pain de vie. Je suis le pain de vie qui mange ma chair et mon sang aura la vie éternelle. Nous avons besoin d'être nourris par le Christ pour que notre foi ne se dessèche pas, ne meure pas, pour que le chemin, le pèlerinage terrestre puisse aboutir sur les rives des pâturages de la vie éternelle et non pas dans le gouffre de feu de l'enfer. Non pas que Dieu n'aura pas mis tous les moyens, mais que nous aurons dit non à Dieu au moment fatidique. Voilà pourquoi nous sommes invités sans cesse à réveiller notre foi en profondeur, à nous laisser porter par la grâce que nous recevons dans chaque sacrement, à écouter avec attention la parole de Dieu, pour que nous puissions dire comme Pierre, « Seigneur, nous savons, nous croyons que tu es le Saint de Dieu, nous savons que tu es le Fils de Dieu, et que peu importe si je ne comprends pas tes paroles, parce que Pierre, comme les autres, il ne comprend rien. » Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire confiance en Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus à Sainte Faustine? Jésus fait, il fait imprimer ça sur le tableau que vous avez dans la nef. Jésus, j'ai confiance en toi. La confiance est, pourrait-on dire, l'âme du chrétien. Qu'a fait la Vierge Marie au pied de la croix, devant ce mystère indicible de la mort de son fils, dans une telle brutalité? Elle garde confiance. Elle sait que son fils accomplit un mystère qui paraît invraisemblable. Elle garde confiance et Jésus peut ainsi oser lui demander cette dernière faveur d'être notre mère, celle qui est fille de l'Église, celle qui a reçu comme chacun d'entre nous la grâce. Alors une grâce spécifique, certes, nous le fêterons le 8 décembre, elle est l'Immaculée Conception. Une grâce qui la préserve du péché originel et puis des grâces de chaque instant qu'elle reçoit qui lui permet d'être se préserver du péché personnel, de telle sorte qu'elle est vierge de tout péché. Son âme est totalement en phase avec le bon Dieu. Elle est nourrie de la grâce, et cette grâce vient de la croix. Elle la reçoit par anticipation, à chaque instant de sa vie jusqu'à la croix. Donc elle est fille de l'Église comme chacun d'entre nous. Elle est sauvée par son propre Fils. Et en même temps, paradoxalement, elle va signifier l'épouse. Elle signifie l'Église à elle-même toute seule.
celle qui est pure, comme le dira saint Paul aux Éphésiens, comme nous l'avons entendu la seconde lecture. Il a voulu cette église lui-même, cette église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il a voulu sainte et immaculée. La Vierge Marie en est exactement l'exemple même, l'image même, l'icône même de cette église. Donc elle signifie en quelque sorte l'épouse de l'époux qu'est le Christ. Et en même temps, elle est la mère de l'église, la mère du Fils, et donc la mère de l'église. « Femme, voici ton fils. » Extraordinaire. La Vierge Marie est à la fois fille, épouse et mère. Parce qu'elle est l'Église. Elle la signifie au pied de la croix, dans un mystère indicible. Voilà pourquoi nous pouvons la prier. Voilà pourquoi, devant les incompréhensions que nous pouvons vivre, même à travers les événements de notre vie, qui peut peut-être nous amener à douter dans notre foi, eh bien, réfugions-nous sous son cœur, dans son cœur immaculé, parce qu'elle-même, qui ne comprenait pas toute chose, saint Luc le montrera dans l'Évangile, Jésus avait 12 ans, resté pendant 3 jours au temple. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais cependant, elle a confiance. Elle est dans la confiance absolue. Alors, demandons-lui son aide pour que nous puissions, nous aussi, garder foi et confiance et parvenir ainsi à la sainteté de la vie éternelle. Amen.